Et me revoilà. Alors cette fois, j'ai installé OBS correctement, j'espère. Avec tous les plugins correctement. J'ai la NVIDIA Control Panel. J'ai GeForce Experience. J'espère que ça va bien se passer. Gros pot de peinture dans mon sac à dos. On va aller récupérer le vaisseau. Si je retrouve où c'est. J'espère qu'OBS va bien se comporter cette fois. De vêtements. C'est rigolo qu'on puisse porter ce genre de truc par-dessus par-dessus l'armure. Genre de trench coat. Faut que je l'active. J'arrête de me prendre les doigts dans mes fils. Alors. Désactiver une pote directeur. Hans Zimmer qui s'excite au piano. On va prendre l'ascenseur. En fait, comme j'ai été téléporté directement à l'intérieur du truc, je sais pas où faut aller. Je peux faire ça aussi. Merde, il monte. Ah, mais c'est bon. En gare, ok. Ça va. Landing pad. Donc, en gare. C'est un peu comme les urinoirs, on laisse un petit espace. petit espace entre les gens. Et là, hop. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye. Les vieux hangars 2. Ah. Ben non. Ah bah celui-là alors. J'ai plus de chance avec les ascenseurs cette fois, c'est bien. Comment ils ont rangé tout ça. C'est vraiment très bien fait. Et voilà mon vaisseau. Alors je vais essayer de pas laisser mon matos dans le coffre entre guillemets de la planète. Pas du de l'astéroïde du coup. Et OBS qui me prend encore 30%, je sais pas pourquoi. Je fais rien de spécial. Il prend 30%, ok. Tant que ça monte pas plus. Mais on se fait chier quand même. Il n'y a aucune raison de prendre 30%. Local, ah oui, alors faut surtout pas que je laisse dans le local. Ça va aller dans le véhicule. Faut que j'aille récupérer ce que j'ai laissé sur l'autre station aussi. Et ça, c'est dans le sac à dos.
Et puis la peinture dans le véhicule. Pas mal. Non, BA 6%, 18%. Aucune raison. J'ai un seul administrateur. Il est bien installé. Il bouffe quand même 80%, tranquille. Ça va, BS? Je te dérange pas? J'aurais bien un petit peu joué quand même. Eh, yeah, ça arme. Bon! Alors pourquoi BS il bouffe tout? Alors si on fixe à ce gars-là, c'est clairement pas ça. Est-ce que j'ai pas dans ma capture de jeu? Ah, mais limiter capture. Ah, tu crois? Réduire les graphiques du jeu, ouais, super. Petit adapteur. Windows Gaming Future. Ah, j'ai pas fait ça. Windows Gaming Future. Comment on fait ça déjà? Mode jeu. Démarrer. Jeu. Risque box game bar, ça dégage. Capture, on s'en fout. Mode jeu, ça dégage. Comment ça, Power Saving? Ah, faut que je fasse ça aussi sur le paramètre de Nvidia. Alors. En plein live, parfait, tout va bien. J'ai tout pété. Il se lance ou pas? Ah. Paramètres globaux d'NVIDIA. Puissance optimisée, non. Performance maximale. Appliqué. Apparemment, je suis toujours là. Encore toujours là, ça bouge, ouais, ça bouge.
OBS est toujours à 16%. Ok, je retourne dans le jeu. Est-ce que ça donne comme ça? Ah, est-ce que maintenant je peux personnaliser la peinture de mon vaisseau? Select ship, à ton avis. Je peux pas sélectionner un vaisseau que j'ai déjà sur moi. Du coup, comment je personnalise mon vaisseau? Ah, peut-être celui-là alors. Maintenant, service. Je sois sur cockpit. Repair, vas-y, repair, restock, c'est bon. Refuel quantum, vas-y. Hydrogène, pourquoi pas. Mais je peux pas modifier mon vaisseau. Est-ce que je peux le modifier ici? Non plus. Ça se modifie où alors? On s'en fout, je vais aller chercher mon matos que j'ai laissé sur l'autre. Ou pas. OBS bouffe 70% de du processeur pour rien. Si je gère la preview, ça change rien. Il n'a pas des logs lui. C'est redescendu. C'était toujours un Crusader. Porte Lissard. L'altimètre est tout affolé. J'ai envie de tenter de décoller quand même pour voir. Bouffe du processeur, mais c'est pas grave. Ouh. Attention là. Oh putain. Attention les rochers, ça rame. Tant que moi on booste déjà. Mais le boost. Putain, j'ai eu ce problème et je sais même plus comment je l'ai résolu. Pourquoi OBS bouffe autant de ressources? Je peux me poser sur cette planète pour rigoler. Il y a du boost là ou pas?
J'ai plus de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Ah si. Non? Parce que je rame que ça contrôle plus? Oula. Touche rémanente, super. Je ne suis pas handicapé. J'ai l'impression qu'il avance pas. Un petit coup de quantum là. Ah, trop près. Ah mais j'avais pas, d'accord. Du tout, je vais, mais j'y vais. J'aurais préféré être sur une face plus éclairée quand même. Je fais n'importe quoi. Ça rame trop, je m'arrête là encore. Pas pourquoi OBS. Il suffit que je fasse Alt Tab pour que je mette dessus, qu'il se calme. C'est 33%, 16%. Pourquoi? Je suis fluide. Et le jeu aussi. Je laisse sur cette vue pendant que je cherche. Attends, je vais juste regarder, agrandir un peu la visibilité. Si je mets 100, ouais, faut voir. Est-ce que je peux me mettre quand même sur ma planète que je voulais revisiter? Ça. Ok.
La direction. Il est où? Il est là? Non, ça c'est OM. Ah oui, d'accord. On va se mettre dans cette direction là. Rester comme ça. Donc je cherche. Qu'est-ce qui fait ramer? Là, le jeu il est bien. Il s'excite un peu trop là, Hans Zimmer. Calme-toi. Alors. Oui, il a les logs sur OBS. Là, j'ai pas ma souris dans le jeu. J'ai pas ma souris non plus sur OBS. Mais tout va bien. Je ne comprends pas. Ça serait d'avoir OBS sur un autre écran que l'écran principal. Pourtant, ça marchait très bien avant. Mon vaisseau, il a tourné tout seul. Parce que la souris elle est légèrement décalée. Hop, toi tu vas là. Bien centré.
Personne n'a trouvé de solution sur ce forum. C'est un truc de dingue, là tout va bien. Je suis sûr que si je reprends la souris, ça va se remettre à merder. Après, j'ai désactivé Windows Game Mode sans avoir redémarré. C'est juste le mode jeu. Ah, et les animations de Windows aussi. Désactiver les petites animations à la con de Windows qui prennent des performances pour rien. Bon, j'aime bien avoir les miniatures, c'est bien les miniatures. Alors. Non, pas sur les fenêtres, on s'en fout. Animation dans la barre des tâches, on s'en fout. Animer les contrôles et les murs dans la tâche, on s'en fout. Traduction, on s'en fout. Putain, clic. Lisser pas les écrans, ça dégage. Les ombres, pas pour les icônes, hop. Qu'elle soit toujours en plein live, bien sûr. Soyons fous. Ah, il y en a un qui est arrivé à réparer ce problème. Mais lui, c'est parce qu'il a upgradé d'une 2080 à une 3080. Reset la carte graphique. Je dois passer un vaisseau. Salut Feel Good. Alors désolé, c'est pas un live super intéressant. C'est un test de performance en fait de mon ordi. Je remarque que depuis que j'ai tout installé, OBS bouffe jusqu'à 80% de carte graphique pour rien quand je joue. Ce qui est un petit peu emmerdant pour streamer. Ouais. Du coup, je suis en train de regarder pourquoi. Ça m'était déjà arrivé en plus et je l'avais résolu. Et je sais plus comment j'ai fait. Ce forum-là ne m'aide pas du tout. Je vais retenter voir. Là, ça bouge très bien. Petit frame shield drive. OBS qui pouffe 80% de.
entre 50 et 80% de GPU, alors que à la normale il prend 16%. Mais seulement pendant que je joue. Et pendant que je suis actif sur le jeu. Si je fais Alt-Tab, tout va bien. J'aime bien avoir des jets négatifs. Hop. Portolissa. J'avais du matos à récupérer sur Portolissa. Ouais, c'est un season très gourmand, mais ça explique pas pourquoi OBS lui-même bouffe autant de cartes graphes. Oula, 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 doucement, doucement. Oh putain. Oh merde. Comment j'ai fait ça? Oups. J'ai eu un petit lag. Bon. J'oubliais que changer de direction avec un vaisseau, ça... Si tu accélères pas, ça change pas vraiment la direction. Dans ce jeu-là. C'est très bien fait. Je me demandais quand je vais revenir. Ah, je suis à l'hôpital. J'ai jamais fait ça encore. Welcome back. Ah, tu vois, la OBS, maintenant, il bouffe 70% pour rien. Et ça prend toute la place, alors que Star Citizen en aurait bien besoin. Flight to the Matin. Ah, mais j'ai tout perdu, du coup. Bon, je clique. Non, ce truc là. Génération. Ah merde, je suis revenu à ma résidence principale du coup. Sur New Babbage. Chier. Alors là, OBS, il bouffe 70%. Du coup, ça rame de partout, hein, super. Si je fais le tab, il va se calmer. Je vais même pas cliquer sur l'écran d'OBS là. Mais c'est peut-être le game mode de Windows que je viens juste désactiver, mais j'ai pas encore redémarré. Ah non, si je clique pas sur OBS, il se calme pas. Enfin, je clique dessus. Et maintenant que OBS est affiché en principal, ça redescend. Et là, c'est reparti. Tout va bien. Je ne rame plus. On va peut-être regarder sur le wiki officiel d'OBS, tu vois. Au moins, mon ordi n'a pas planté pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, feel good.
Alors, si on baisse un tapis administrateur, c'est fait. Limit the game frame rate. Oui, mais... c'est pas le jeu qui prend tout le GPU. Game capture multi-adaptateur compatibility. C'est où, ça? Ah. Attends, dans OBS, game capture source... Ça serait bizarre que ça soit configuré comme ça. Non, j'ai pas ça. Un check multi-adapter compatibility. J'ai pas cette option. Crate normal. Musique trop forte. Ah merde, j'ai plus de locking. Ah si. Mais bon, c'est vrai qu'elle est trop forte. Hop. Mieux. Normalement, j'ai un docking qui baisse la musique quand je parle. Et vu que j'ai tout installé, ça a peut-être. Ça a peut-être été modifié aussi. Microphone. Ça c'est bon. Est-ce que ça marche? Ouais. RTX 2060, ouais. La Star Citizen il s'excite, mais bon. C'est normal. Windows Gaming Features. C'est peut-être tout simplement ça. Faut peut-être que je redémarre en fait. J'ai pas encore redémarré après avoir désactivé le game mode de Windows là. Il va falloir que je quitte. De toute façon, j'ai tout perdu, c'est ça, hein? Ah super. Ah bah tiens, j'ai tout mon matos de que j'avais laissé à New Babbage. Mais le problème c'est que toutes les armes que j'avais et l'armure, bah, il va falloir que j'y rachète. C'est ballot. Je peux me promener à poil. Non. Si, ouais, en caleçon quoi. Bah non, j'ai des vrais vêtements. On va mettre des vrais vêtements. Ah, c'est caché. Là. Ah, j'ai des poches. Ah, c'est bien fait ça. Le pantalon il a des poches, du coup je peux mettre dans les poches du pantalon. C'est fluide. Et dans quelques minutes, ça sera plus fluide. C'est par où déjà? Et la sortie? Je suis au cinquième étage, putain. Juste voir si OBS s'excite encore. J'ai bien fait de mettre à 100, c'est mieux. On voit plus autour. C'est par là.
Pas par là. C'est par là. Ah, EBC 25, 37. 40%. Pour rien. Ça sert pas à grand chose que j'aille plus loin si OBS excite. Je vais redémarrer. Non, non, non. Ah oui, mais non. C'est pas ça, c'est pas Star Citizen qui rame. Ah merci pour le host, The Host. C'est pas Star Citizen qui rame, c'est OBS. Et c'est sûrement le game mode de Windows et je vais. Maintenant j'ai désactivé cette merde là. Je vais redémarrer un coup. Ça devrait être mieux. Je vais vérifier qu'il soit bien désactivé. Je désactive le Xbox Game Bar aussi. Qui peut faire merder. Ah, j'ai vu ton lien, j'avais déjà vu ces paramètres-là sur. Pour optimiser Star Citizen, mais c'est pas Star Citizen qui rame pour moi. Mode jeu désactivé. Tout à l'heure il était activé. Donc je vais redémarrer, je vais tester sans. Au pire, j'essaierai peut-être de réinstaller mes drivers graphiques. Et puis, à plus tard.